Et on souhaite la bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent peut-être à l'instant. Coup d'œil sur notre pendule, notre horloge, 7h22, en route pour la Coupe du Monde de rugby. Vous savez que c'est tous les jours du lundi au vendredi de l'été hein, sur Europe 1. Et le vendredi, eh bien, on vous propose un portrait de bleu. Avec ce matin, Thomas Ramos, spécialiste de la transformation, Axel May. Avec 84 points inscrits lors du tournoi Destination cet hiver, Thomas Ramos est devenu le meilleur marqueur français lors d'une même édition du tournoi. Et pourtant, l'an dernier, ce n'était pas lui le titulaire au poste d'arrière. Son coéquipier en club et chez les Bleus, Melvin Jaminet, était considéré comme le numéro 1. Mais lors des tests match de novembre, Jaminet s'est blessé et Ramos a su saisir l'occasion. Ça faisait quelques années que j'étais là, mais sans être là. Remplaçant, enfin voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais au final j'ai pas lâché, continué à travailler. J'ai eu une opportunité au mois de novembre de jouer, j'ai saisi cette opportunité et aujourd'hui j'espère si j'enchaîne, c'est que je dois satisfaire le staff et je l'espère en tout cas quoi. Consultant d'Europe 1 pour la Coupe du Monde de rugby, lui-même ancien arrière de génie, Serge Blanco détaille ce poste d'arrière, ce numéro 15 que porte Ramos sur le maillot. Thomas est le joueur type qui est susceptible aujourd'hui d'occuper ce poste d'arrière. Vous savez, le rôle d'arrière, ça doit être bien sûr un apport de l'attaque, ça doit être le dernier défenseur. Ça doit être l'homme qui est capable d'amorcer de la relance. C'est vrai que son prédécesseur est aussi un joueur de qualité et nous sommes bien fournis et c'est ça le principal. Un numéro 15 capable de jouer numéro 10, c'est-à-dire demi d'ouverture, le poste qu'occupe à Toulouse et chez les Bleus, Romain Ntamack. Souvent, en tout cas, quand je me positionne en 10, c'est que Romain parfois est pris dans des zones de ruck. Donc à ce moment-là, il faut bien évidemment avoir un meneur. Et puis voilà, aussi avec Romain, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on joue ensemble. Donc on a cette habitude de se compenser l'un et l'autre. Donc c'est des automatismes aussi qu'il y a de l'équipe. Et puis, il y a donc ces transformations et ces pénalités qu'inscrit à chaque match Thomas Ramos. Dans un portrait que lui a consacré Canal Plus Sport, le natif de Mazamé explique les secrets du buteur. J'essaye beaucoup de visualiser quelque chose derrière les poteaux. Je ne vise pas forcément les poteaux, je vise plutôt soit un lampadaire derrière ou des arbres. Quand tu butes et quand tu prends tes pas, il vaut mieux pas penser à 50 000 choses parce que sinon, t'es un peu perturbé. Donc voilà, faire le vide et c'est là où la prépa mentale intervient. L'ancien joueur de Colomiers en deuxième division, champion de France en juin avec Toulouse, s'est révélé aux yeux du grand public au meilleur moment. Juste avant la Coupe du Monde. Merci Axel May. La Coupe du Monde de rugby en France, c'est dans 56 jours exactement.